Cache. Sauvage, ça bouge pas. À l'aéroport de justesse, j'ai esquivé une brigade de kistés détachés exprès pour mal baguer. Tout le terminal est miné. On m'a donné, le clan m'a lâché. Mais poursuivant son coriace, je ne sais plus comment les semer. Ah, je te dis, bouge pas, MNLK. Sinon, y'a pas de sommation. 1, 2, 3, je tire, bla bla bla, touché. Ah, c'est l'épaule, pas grave, direct, je continue, je n'achève. Il est là, tout pousse-toi. Bon là, il ne passe pas. La seule faille, c'est l'escalier, gars. Je fonce tout droit. Équipe de 2, suivez-moi. Position alpha, brigade de 3, en haut. Le reste en bas, mais tirez pas, il est à moi. J'ai pas le droit, rien à foutre. Cette crapule me doit de balles dans le bras depuis 3 ans déjà. J'ai reconnu ce flic, il y a déjà 3 ans. Je vais faire la nique, il me lâchera pas ce bâtard. Je croyais l'avoir calé, mais là je panique. J'ai pris un lascar en otage, s'il continue, ce sera carnage. On bouge pas, pas un geste, ou j'explose, tout me dégage. Sur l'autoroute, je fonce tout droit, je m'engage à droite sur la bretelle. J'ai lâché les kiss day vers Boboche, je fonce, je me fais la belle. Pourquoi j'ai volé ce taco de merde? Il n'avance pas. Toi bouge pas, appuie son champignon ou sert à mal pour toi. Appel à toutes les voitures disponibles, MNLK pour cible. L'otage vous pisse à l'arrêt dans 5 minutes, ce bâtard, je le crie de balle. Il est dans le taxi, il a pris la sortie direction Bobigny. Perdez pas de vue les gars, car ici c'est chez lui. Toi, arrête-toi là, cherche mes contacts de Bobigny, que je ne reconnais plus, qui m'a donné. Comment ça se fait que la police était prévenue? Dire qu'il y a 4 ans, je dirigeais cette ville à coups de liasse. Ah, il me sert de près, je tourne dans une rue. Ah merde, une impasse. Alors Albix, regarde-toi maintenant. Tu crois qu'on était là par hasard ou quoi? Hein? Bah ben, mon pote, y'avait une taupe dans l'organisation. C'est qui la Pouka? Hein, c'est qui? Bah t'inquiète pas, tu seras à l'ombre et tu pourras y réfléchir autant que tu veux. Ouais. En attendant, écoute. Écoute ça, il y en a une autre qui t'a donné. Désolé monsieur l'inspecteur, je ne vois pas du tout de qui vous me parlez. Ouais. Enfin. Si j'ai menti, j'avoue avoir eu une brève relation avec ce jeune homme en question. Mais bon, cette époque est révolue. Pour moi son nom est comme un code erroné sur mon téléphone. Oh non, vous savez du temps où nous étions ensemble. J'entendais souvent les noms de Barbara, Angélique, Sylvain, Jessica. Ce type est bizarre, vicieux. Je me demande même s'il n'était pas mafieux. J'écoute téléphone à 1h, 2h, voire 3h du matin. Accumulation d'insultes de minutes après l'été sur le terrain. Quand il revenait, faisait comme si de rien n'était. Il me délaissait, ne sachant plus quoi faire. C'est plus d'un obstacle, mais j'ai bien décidé de prendre mes clics et mes claques. Vous comprenez monsieur, ma vie était en jeu. C'était l'amour du risque et je ne voulais pas jouer avec vous. Pourriture. Reste calme, c'est ce qui t'arrive. Ah ouais. Alors, maintenant qu'est-ce que tu peux faire? Ah mais regarde, regarde. Ta poulette cause la bavette, tu vois, tout s'achète, même la poucave pour 2 ou 3 lobes. Et en prime une sucette. Quoi? Je sais, je suis une pourriture, mais j'ai l'étoile. Et alors? J'ai tous les droits et toi que dalle. Fais fi ça, mets tout sur la bleuta, sinon je te séca. Un coup de bottin sur le crowd, je sais pas quoi, sur les tibias. Pourriture. Tu m'apprends rien, je viens de te le dire. J'effacerai tes sourires, je vais le fumer ton avenir.